Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle VDHS qui va changer un petit peu parce que pour des raisons techniques, je suis obligé de prendre ma scène de stream pour pouvoir la faire. Mais après vous, ça vous changerait parce que contrairement à avant où j'avais une webcam puis une caméra à part pour les vidéos, cette fois j'ai du coup la même caméra sur les vidéos et sur les streams. Du coup en termes de qualité et tout, vous n'y perdez pas. Donc je pense que de toute façon, vous... quand je fais une VDHS, vous vous en battez les couilles. On est sur une petite vidéo avec un titre particulier, un poil putaclic sans doute, mais c'est mon avis. Vous devez de le respecter, car je pense que actuellement, et certains ont déjà fait des vidéos dessus, donc je fais pas très original, voire... Oh, il a failli prendre le double. Voire pas original du tout, mais aujourd'hui... Allez, montre-toi petit. Nice. Oh, le double pour Zach Nani, let's go! Je fais une vidéo sur le nouveau skin de la Krieg, celui qui coûte 20 balles, celui qui vole, regardez, magnifique! C'est absolument superbe, je suis trop fan de cette Krieg, vraiment, je l'adore, je le trouve archi réussi, au point où je me permets de dire, et vous avez le droit de pas être d'accord, mais sans déconner, c'est le meilleur skin de l'histoire de cette licence. Je le pense vraiment, l'animation qui va avec, le flow du dragon, les ailes, machin, tout ça, je suis absolument conquis, ça me parle. Alors je sais qu'il y a déjà qui ça ne parle pas. Hop, attends, on va mettre quand même un petit trophy pour aider. Hop. Là, on est dans une position où je me demande comment on fait pour tenir. Hein. C'est miraculeux. Hein. C'est absolument miraculeux. Mais ça tient. Attends, je... I'm here. J'y suis, t'inquiète, je suis là. Genre... Fais confiance à Kaz Nani, même s'il n'a pas pu prendre le double. Donc, ça me fait plaisir. Petite game de ligue un petit peu serrée. Mais vraiment, ouais, ce skin, je le trouve tellement sexy. Alors, certes, il coûte cher. Je crois qu'il coûte 15 euros, un truc comme ça. Donc, ça fait de moi un... Un pigeon, tout ce que tu veux. Bon, le pigeon de Zach. Non, ça aurait été... J'ai failli faire la poule. Bon, je vais éviter de le faire, mais vous avez capté. Ça fait sans doute de moi un pigeon. Maintenant, à côté, franchement. Alors, attention, il y a quelqu'un. Je marque les coordonnées du repère. Alors, je vais dire, peut-être une unpopular opinion, mais je pense même qu'elle devrait être populaire tellement elle est de bon sens. Si des skins à 10 balles, 15 balles... Si des skins à 10 ou 15 balles, c'est ce qui nous permet d'avoir du coup toutes les cartes, les armes, etc. gratuitement, c'est le feu. Parce que rappelez-vous que quand même à l'époque sur Ghost par exemple, on payait les skins 1 ou 2 euros, notamment, qui se rappelle du skin qu'on avait tous? Celui sur la bœuf là, tu sais, un skin un peu avec... ou alors le pack d'annonceurs avec la voix de Snoop Dogg là. Le double pour Kaz Nani. Oh, peut-être le trip, ça aurait été magnifique. Donc, à l'époque, on payait absolument tout. Maintenant, on a quasi tout de gratuit, à part les skins. Et en plus, tu peux rajouter sur tes variantes des skins de que t'as. Alors vraiment, là, c'est si tu veux partir sur le drip full Nicolas Sarkozy. J'appelle ça le drip Sarkozy parce que c'était quand même quelqu'un d'assez bling bling, notre ancien président. Montre ta petite. Il y en a un top vert. Fils de pute. La chatte que t'as. La chatte que t'as. Ah, j'ai plus de balles. Le drip de rajouter un skin en or. J'aurais pu faire le drip avec le skin en diamant. Je l'ai fait que avec le en or. Il y a quelqu'un ici, je le sais. Je le sais. Je sais qui c'est. Ah, ça me fait perdre mon duel. J'aurais dû rester en full visée. C'est dommage. Donc là, j'ai rajouté sur la variante le skin en or. Et alors là, est-ce que vous préférez ou pas? Moi, vraiment, je préfère encore plus ça, le skin en or, plus les ailes de dragon. Alors, en plus, on peut marcher. Bon, ça va, on gagne 127 à 14, donc je me permets de le montrer comme ça. Mais je le trouve absolument magnifique, donc ce skin me convainc. Et ouais, voilà, pour finir, pas spécialement le débat, mais ce que j'étais en train de dire avant. Je préfère payer des skins, même s'ils sont un petit peu chers, et que tout le reste, cartes, nouvelles armes et compagnie, soient tous gratuits. Même s'il y a le season pass, on se comprend. Foncièrement, il reste gratuit. Plutôt que de tout payer comme avant. Alors en plus, ils ont mis sur la Krieg qui est une arme puissante, donc ça fait plaisir parce que t'as l'occasion de l'utiliser. Je l'ai aussi utilisé sur Warzone et il est pas mal. Il est pas mal sur Warzone aussi. Franchement, je dois avouer qu'il y a petit flow. Bon, vous allez bien ou quoi, les gars? Tranquille. Alors, sur ma nouvelle caméra, je vous en avais parlé sur la dernière vidéo. Donc j'ai une nouvelle caméra, je pense que vous l'avez compris, une caméra de qualité, une Sony A7C. J'ai pas encore totalement poussé les réglages. En fait, faut que je mette un deuxième mode, un mode de stream où elle sera en 1080p parce que du 4K en stream, c'est galère sans nom. Donc il faut que je mette un mode pour les streams où elle sera en 1080p et un mode pour les vidéos où là je vous ferai du 4K pour voir encore plus la différence. Par exemple, j'ai regardé sur la vidéo d'hier, la différence n'est pas marquante. Genre on n'est pas là, waouh, nouvelle cam, t'as allé ouf. Alors que quand je suis passé de la simple webcam Logitech Brio là. Quand je suis passé de la Logitech Brio
à la caméra Sony, bah là effectivement en stream on voit des diffs de ouf. Donc ça me fait plaisir ce petit step up en... ce petit step up en matériel. On est bon les mecs. J'ai l'impression d'avoir cette big dick energy. C'est, ça c'est aussi le fait de grandir. Les gars, j'ai 26 ans dans quelques temps. Certains ici me connaissent sans doute depuis que j'ai 20 ans, tu vois. Donc vous, j'ai grandi avec vous les mecs. Vous avez grandi avec moi. Bref, on a grandi ensemble au global. Je pense qu'on peut se permettre de dire ça. Oh là, le petit double de Kaznani sur son sa petite dragon. Attends, hop, regarde. On va se permettre d'envoyer du drip avant de... Et voilà. Et là, on vise. On prend la série de 6. 7, baby, série de 7, vous croyez quoi? Donc, quand j'étais plus jeune, avant, je m'en battais les couilles du setup. Vraiment, j'avais une caméra G7X, un Rod NT-USB. Et un Rod NT-USB, et ça me suffisait amplement. J'essayais jamais de step up, de prendre un peu au-dessus ou quoi, ou d'investir tout simplement. Là, depuis que j'ai un petit peu grandi, d'une, je le fais, et deux, je sais pas comment dire, je prends du plaisir à le faire. C'est-à-dire que je prends du plaisir à acheter un nouveau micro, une nouvelle caméra, un objectif. Tu sais, le bon matos, maintenant, ça me fait bander, les mecs. Le bon matos, ça me fait bander. Alors qu'avant, je m'en battais les couilles tant que c'était fonctionnel, que ça me permettait de faire des vidéos. Même si c'était pas incroyable, j'achetais et... Oh là 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 là. Et croyez-moi que je l'utilisais jusqu'à que mort s'en suive. Hein. Je l'utilisais jusqu'à que mort s'en suive. Je pense que c'est ça aussi, maturer, tu vois, devenir un peu plus mature. Et c'est step up, tu vois, la qualité de mes contenus et compagnie. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Même si j'avoue que je suis dans une phase un poil compliquée. Alors attendez. Maï, il est en bas. Alors désolé, je me permets. Même si je suis dans une phase un poil compliquée, c'est une question de Uber Eats offert par Joël parce que j'ai gagné un pari là en LFL. Même si je suis dans une phase un poil moins fast sur YouTube parce que vraiment je fais un poil moins de vues, enfin même un peu moins de vues, même sur des contenus que j'aurais pensé efficaces. J'avoue, ça me fait un peu chier, mais vas-y, on repart. Et on garde le moral haut et on va reprendre le bon rythme qu'on avait novembre-décembre. Car je pense qu'à l'heure actuelle, de toute façon... Il n'y a que ça à faire avec les petits Z-Stories. Le prochain arrive, ce sera sur l'histoire de la structure Cloud9, les mecs. L'histoire de la structure Cloud9, une des plus grandes structures américaines. Oups, j'ai failli canner. Après avoir fait Fnatic et FaZe. Puis après, derrière, j'ai un autre sujet. Et ça, ce sera un sujet sur... ce sera un sujet sur un truc de franc-maçon, des tentatives de meurtre. Bref, vous avez peut-être vu passer des articles. Moi, j'ai synthétisé tout ça. Et vous allez voir, vous risquez d'être choqué. 35-12, top dégâts de la game, top dégâts de mon équipe et tout. Je pense qu'on peut dire que... achetez le skin, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Achetez le skin, mettez le code... rien du tout parce qu'il n'y a pas. Mettez le code Zach Nani et enjoyez tout ça. 250 à 68, ça fait plaisir. Une belle game gagnée. Oh là 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 là, la kill cam finale pour Zach Nani, la kill cam finale. Série 4, série 2. Lui, j'avoue, j'étais content. Lui, j'avoue, j'ai envoyé du flex en fait. Là là là. Hey, ils vont le voir, regardez. Oh, le flexeur, c'est horrible ce que j'ai fait. Ils vont me détester, ils auront bien raison. L'arrogance ne paye pas, les amis. L'arrogance ne paye pas. Bon, bah, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.